Coucou, allez, on va regarder ta santé financière. Donc, ces quatre paquets parlent de finances. J'ai mélangé, j'ai préparé les paquets et cette carte sera la surprise, ce que tu n'attends pas, ce que l'univers t'envoie. Donc, choisis un paquet, celui que tu veux, et je vais y répondre. C'est avec l'oracle Versailles débutant que tu peux trouver en téléchargement sur mon site. Si tu veux apprendre à maîtriser un petit peu les cartes, c'est facile, tout est marqué dessus. Donc pour le premier paquet, nous avons donc ici le roi. Donc ça représente toi ou une tierce personne, la paresse et le chien. Donc là, au niveau des finances, peut-être que tu pourrais avoir besoin d'une... Les finances avec la paresse, ça rentre pas bien. Peut-être une personne, un ami, quelqu'un, le chien représente donc aussi l'amitié, ou un membre de la famille, peut-être que quelqu'un va te prêter de l'argent, ou bien toi-même, tu vas prêter de l'argent là à quelqu'un. Quelqu'un va avoir besoin de ton aide. Enfin, en tous les cas, c'est ou tu prêtes de l'argent, ou on te prête de l'argent. Car les finances, là, avec la paresse, c'est pas terrible, terrible. Voilà. Donc, pour ceux qui ont maintenant choisi ce paquet-là, donc ici, nous avons donc la victoire, la tempête et la ville. Bon, voilà, il y a clairement quelque chose qui arrive que tu n'attends pas d'ailleurs, hein, une somme que tu n'attends pas qui arrive avec la ville. Ça peut représenter là, donc même la banque. Donc il y a quelque chose qui arrive pour toi qui est carrément favorable. Tu t'attends pas à cette somme en tous les cas. Hein. Donc voilà. Ensuite, nous avons ce paquet-ci. Donc pour ce paquet numéro 3, nous allons prendre donc la carte là, des finances, du vol et de la violence. Donc là, attention, attention à ne pas te faire voler de l'argent. Ou je dirais, fais attention à ne pas prêter de l'argent que tu ne reverrais pas. Ou peut-être quelqu'un t'a prêté de l'argent et tu n'arrives pas à récupérer là, ton bien. Et ça te met, avec la violence, ça te met en colère. Car actuellement, tu as besoin de cet argent. Donc ça peut représenter ça. Quelqu'un à qui tu as prêté quelque chose, qui ne te le rend pas et ça t'énerve. Ou bien ça peut représenter que tu vas être victime de violence au niveau de l'argent. Quelqu'un peut t'agresser, quelque chose comme ça. Ou bien quelqu'un te réclame de l'argent, là aussi, et te demande de l'aide, et toi, tu peux pas. Et quelqu'un peut se mettre en colère parce que tu peux pas lui prêter. En tous les cas, c'est pas un super paquet. Donc, fais quand même attention à tes biens, parce que ça peut aussi parler d'un cambriolage ou quelque chose comme ça. Donc, sois prudent, là, si tu as tiré ce paquet, fais très attention quand même. Voilà. Et donc, pour le paquet numéro 4 qui est là. Donc ce paquet-là, nous avons l'abondance, nous avons des nouvelles et un pacte. Voilà, tu vas rentrer de l'argent, c'est évident, avec le pacte. C'est peut-être un petit prêt bancaire, quelque chose comme ça, ou une avance d'un patron, quelque chose comme ça. Il y a de l'argent dans tous les cas qui arrive. Et on a des nouvelles et assez rapidement. Donc si tu as tiré ce paquet, ne t'inquiète pas, il y a quelque chose qui arrive là maintenant, hein, c'est pour maintenant. Hein, voilà. Avec les nouvelles, c'est quelque chose de rapide, les nouvelles. Donc c'est quelque chose de positif. Et ce que l'univers t'envoie donc en message, la lune, donc tu as beaucoup d'émotions sur quelque chose hein, avec la lune et il y a quelque chose qui arrive pour toi là maintenant. Et beaucoup de sensibilité et beaucoup d'émotions. Peut-être je ressens la surprise d'un proche ou quelque chose comme ça hein, en touchant les cartes. C'est ce que ça me dit. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est ce que ça me dit. Voilà. Donc, n'oublie pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire. Moi, ça me fait plaisir et savoir si ça vous a parlé. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye bye.